Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas? Faut que je te passe dessus? Non, je voulais simplement que tu t'arrêtes. T'es contente maintenant? Qu'est-ce que tu veux? Je veux aller à Munich. Est-ce que tu vas à Munich? Tu peux m'emmener? Tu plaisantes ou quoi? Je vais à Munich. Seulement, j'emmène personne. Tu restes ici. Il y a 3 places dans sa bagnole, mais il emmène personne. Mais c'est pas possible de croiser des types pareils. Tire-toi, pauvre type! Fous le camp! Alors, tu veux aller à Munich? Ouais, mais pas avec n'importe qui. Finalement, t'as pas besoin d'une voiture. Tes jambes te suffisent? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce que tu planques là-dedans? Montre-moi ce que c'est. Il n'en est absolument pas question. Allez, monte. Je peux savoir d'où tu sors? D'une maison de redressement. Ça ne m'étonne pas tellement. Pourquoi donc? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Prostitution. Et vol aussi, ça te dérange? Il fallait que je gagne de l'oseille. Voilà. Nous sommes arrivés. Je tiens à te dire tout de suite que je ne veux rien de toi. Si je fais ça, c'est pour te venir en aide. Si je dérange, tu le dis? Tu ne me déranges pas. Mais je tenais à clarifier la situation. Une personne doit me téléphoner. Est-ce que tu piges? Ouais, je suis pas sourde. T'attends un coup de fil? Et je ne crois pas nécessaire d'avertir tout le monde de ta présence ici. Je ne veux pas t'entendre. D'accord. Où sont mes quartiers? Dans la chambre du fond. Non, non, attends. Attends que le type m'appelle. Ça y est, tu peux me dire ce que tu as foutu? T'énerve pas, j'ai été retardé. Allô? Tu as la marchandise? Oui, naturellement. Ouvre tes oreilles. Ce soir, 22h, sur le parking près de la place à Nice. Je veux que tu sois à l'heure, parce que sinon je me tire, d'accord? Combien il y en a? 1 kilo. Et bien entendu, pas un seul gramme sans l'argent en petite coupure. N'essayez pas de me faire un mauvais tour, je vous le dis tout de suite. Est-ce que c'est clair? On est bien d'accord. Je vais d'abord t'expliquer pourquoi je vais avoir besoin de toi. Tu
Quelque chose risque de se produire et il me faut un témoin. Tu comprends? Je pense que oui. Bien. Tu descends ici et tu te diriges de ce côté. Tu dois monter là-haut. Il faut te cacher et surveiller ce qui se passe par ici. Et moi, je vais continuer par là. D'accord? Tu commences à me faire peur. J'ai pas du tout envie d'aller en tôle. Alors tire-toi. Tu m'as même pas dit de quoi il s'agissait. D'accord. Ok. Je dois vendre 1 kilo d'héroïne. Oh non, mais pourquoi je tombe toujours sur des dingues? Ça suffit, allez, dégage, fous le camp. Remarque à faire. Ça veut dire quoi? Je tiens à mettre les choses au point. J'ai pas du tout confiance en toi. Vous avez l'argent? Quand je lance le paquet, tu lui piques son revolver, compris? Montre-nous la cam. On commence par l'argent. Si tu y tiens. Je dois vérifier. C'est naturel. Tiens. Tire. C'est un gars gentil, lui. Allons. Donne-moi ça. Bonsoir, docteur. Inspecteur. Nous sommes arrivés bien trop tard. Nous avons fait le maximum, mais sans succès. Maintenant, c'est à vous de jouer. Le type s'est fait descendre. Voilà, c'est parti. Merci. Hans Zillmann, Alvinstrasse, numéro 12. Police criminelle, salut. Qui êtes-vous? Vous alliez sortir? Donnez-moi vos papiers.
Maison de redressement, Saint-Benoît. Vous êtes sorti aujourd'hui? Aujourd'hui. Hé, un instant, ne partez pas si vite. Je suis sûr que nous avons encore un tas de choses à nous dire. Mon collègue a plusieurs questions à vous poser. C'est vrai. Vous êtes très pressé. L'homme qui habite cette maison a été tué. Que faites-vous chez lui? Que faites-vous ici? Promettez-moi d'abord de croire tout ce que je vais vous dire. Je vais essayer. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Bruno! Je sais que tu peux m'aider. Je suis très mal barré. Je suis mal barré, j'ai de gros ennuis. Chut. J'ai tué un mec. C'est alors qu'il a dit : suis-moi, seulement reste caché. J'ai uniquement besoin d'un témoin. Ensuite, j'ai vu les deux types qui l'ont blessé. Un des deux lui a tiré une balle dans le ventre. Écoutez, nous allons reprendre tout ça tranquillement en nous arrêtant sur chaque détail. Je crois que vous dites la vérité. La malchance, le hasard vous ont jeté dans cette affaire curieuse. Seulement, maintenant, il nous faut des indications exactes. C'est à vous de jouer. Lors de l'échange et de l'assassinat, vous étiez là. Il faut nous aider. Je sais pas d'où elle venait, cette fille. Seulement, je peux te dire qu'elle était là. Elle m'a vu abattre le gars. Elle a vu toute la scène. Moi, j'ai tiré parce que... parce qu'il me l'a demandé. Parce qu'il n'arrêtait pas de crier, tire, tire. Il faut me croire, Bruno. C'est parce qu'il criait, je voulais pas faire ça. Je sais pas pourquoi je lui ai tiré dessus. J'ai eu la trouille. J'ai abattu ce gars sans le vouloir. Crois-moi, Bruno. Tout ça à cause de ta saloperie de Cam. Je t'ai toujours dit que la drogue allait te tuer. En fait, c'est toi qui tues à cause d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Rolf, tu ne trouvais plus la maison ces derniers temps? Que se passe-t-il? Il a tué un homme, il y avait un témoin. Il faut absolument retrouver la personne qui t'a vu et qui pourrait te reconnaître. Il n'y a pas d'autre solution. Rolf! Nous t'éviterons la prison. Tu resteras libre et tu pourras continuer ta vie avec nous. Même si tu es déjà prisonnier de la drogue. Et maintenant? Que va-t-on faire de vous? Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Vous n'avez pas de domicile fixe, vous allez coucher dans la rue, à la Belle Étoile. On m'a filé le numéro d'une nana. Il paraît que c'est une assistante sociale. Vous voulez lui téléphoner? Oui. Maintenant? Elle va tourner de l'œil quand vous allez lui expliquer ce qui se passe. Non, il n'y a pas de raison, une assistante sociale connaît la musique. Je vous signale qu'il est 2 heures du matin. J'ai attendu toute la journée qu'elle me contacte. Et c'est la police qui me l'amène. Pourquoi la police? Soyez tranquille, elle n'a rien fait. Elle a seulement été témoin d'un meurtre. Quoi? Elle a été témoin d'un meurtre? Mais je croyais que... elle a été libérée ce matin. Oui. Mais comment peut-elle être déjà le témoin d'un meurtre? Je vous jure que Mademoiselle Killer n'a rien à voir dans cette histoire. Je vous laisse, il faut que je parte maintenant. J'espère qu'il a raison. Je vais te dire quelque chose, Ursula.
J'ai l'impression que tes ennuis, tu les provoques. Car pour être témoin d'un assassinat, il faut déjà être à côté. Pourquoi es-tu toujours dans les parages lorsqu'un délit est commis? Ce n'est pas la première fois. Pourquoi ça? Eh bien, moi, je vais te le dire. C'est en rapport avec ton caractère, tout simplement. Avec ton manque de caractère, plutôt. Eh bon, il faut que tu connaisses la maison. Ça, c'est la cuisine. La salle de bain. Et voilà ta chambre. Je peux vous parler aussi. N'allez pas imaginer que je sois là par plaisir. Si je vous dérange, surtout n'hésitez pas à me jeter dehors. En attendant, j'aimerais bien dormir. Tu as une valise là-bas? Où se trouve cet appartement? Il a juste une chambre. Je connais l'adresse. Il ne faut plus qu'il y mette les pieds. Nous allons récupérer ses affaires. Il doit oublier cet endroit définitivement. C'est bien ce que je lui ai dit. Je me charge de ses affaires. Tu vas aller cette nuit dans notre maison de campagne. Comment te sens-tu? Tu penses être capable de conduire? Toi, tu vas t'occuper de la fille. Je vais la retrouver. Oui, mais comment? Et il faut patienter. Et pour savoir si le rapport de police parle d'elle. J'ai pas mal d'amis dans la presse. Je pense qu'ils pourront m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Rolf! Ça te calera. Merci, Bruno. Et je suis désolé. Allez, arrête. Fais gaffe sur la route. Il faut que tu tiennes le coup. Je suis à tes côtés. Est-ce que c'est cet homme-là? Est-ce que c'est ressemblant? C'est ressemblant si on veut. Un tas de gens ressemblent à ce dessin. Je vous rappelle qu'il a été réalisé à partir de vos indications. Je vous ai dit ce que j'ai vu, un point c'est tout. C'est lui, oui ou non? Il y a quelque chose, mais c'est vague, navré. Vous allez faire quoi? Nous avons encore besoin de vous. Je suis obligée de rester chez l'assistante. Oui. Pour quelques jours encore. Oh. Tu apportes des nouvelles? La presse essaie de glaner quelques renseignements sur cette histoire. Seulement la police garde le secret. Une chose est sûre, la fille n'a rien à voir avec cette affaire, c'est déjà cela. Elle sort d'une sorte de prison. Bien, nous allons l'identifier. Elle a été libérée hier. Je ne tarderai pas à lui mettre la main dessus. Bruno, je peux te faire confiance. Mais il faut la trouver. Dis-lui exactement ce que nous attendons d'elle. Et la récompense que nous pouvons lui offrir. Fais-le pour ton frère et pour ta famille. On vient d'identifier la fille, mon chéri. J'ai appelé la maison de redressement qui l'a libérée hier. Elle s'appelle Killer. Ursula Killer. Elle loge actuellement dans l'appartement d'une assistante sociale. Dont on nous a fourni l'adresse. C'est bien. Tout se déroule au mieux. Tu penses que cela pourra nous permettre de sauver notre garçon? Je l'espère. Cette adresse multiplie nos chances, en tout cas. Soyez prudents, ne provoquez pas le malheur et les ennuis. Nous avons déjà tout cela. Dans la famille, nous avons un meurtrier. Il faut que le bon Dieu nous vienne en aide et que personne n'apprenne cette histoire. Allons, Bruno. Tâche de faire la connaissance de cette fille.
qu'il y a. Elle dit qu'elle a fait la connaissance d'un garçon. Je dois dire que c'était fabuleux. C'était un repas royal. Je pensais pas qu'il y avait autant de sortes de pâtes. T'es un type extra. T'aimes pas ça. Je suis stupide. On pourrait peut-être faire une petite balade. Mmh. C'est ouvert. Je dois tout d'abord t'avertir. Qu'est-ce que c'est? Une maison de redressement. C'est de là que je sors. Mais ne pars pas, voyons, ça n'a aucune importance pour moi. À l'occasion, tu m'expliqueras comment on atterrit là-bas. D'accord? Et si je te racontais ça tout de suite? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas pour l'instant. Elle est toujours dehors. D'autre part, l'assistante sociale ne sait rien. Bien. Je suis peut-être en train de divaguer, seulement... pour le meurtrier, cette jeune fille est un vrai danger. Alors, qui peut être cet homme qu'elle a rencontré dans la rue? Si je prenais ta place. Fais gaffe, on va tomber dans la flotte. Oh, c'est formidable, la barque, c'est vraiment romantique. Le soleil, l'eau, le ciel, les nuages. Bien. Tout est si calme. Excusez-moi. Je peux donner un coup de fil? Oui, attendez. Par ici. Stamberg ou plus loin? À l'extérieur. Allez-y, c'est à vous. Albert, tu viens? Bruno au téléphone. Oui, Bruno? Allô? Oui, je lui ai offert le restaurant et nous sommes à présent près de Stamberg, au lac. Et tout se passe comme prévu, seulement... Je ne sais pas comment je dois agir à présent. Tu ne lui dis rien pour l'instant. Tu entends? Il est trop tôt. Il faut faire attention. Essaie d'abord de nouer des relations, disons privées, pour te faire une idée. Il faut la mettre en confiance. Un petit moment. J'ai peut-être une idée. Si tu essayais de la faire venir à la maison. Oui, d'accord. Je dois aussi la connaître. C'est ma piole. Ta piole, tu dis? Ah, tu as de la visite? Oui, c'est une amie à moi. Ursula Killard. Enchantée. Bonjour. C'est mon père. Je voulais te demander si tu voulais prendre un café au salon. Mais je serais heureux que ton amie se joigne à nous. Désirez-vous un peu de lait dans votre café, Ursula? Oui. Je dois dire que... j'accepte toujours tout. Tout ce qu'on me donne. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je suis bien ici. Je suis impressionnée. Seulement, je profite un peu de la situation. Je ne reverrai plus jamais un tel luxe, si ça se trouve. Vous avez raison d'en profiter. Je considère que c'est normal. De notre côté, nous adorons partager. 13, 14, 15. 3 plus 5, 8. Tu recommences à traîner n'importe où. Est-ce que tu sais que la police te cherche? Il me cherche?
Oui, et je me sens beaucoup mieux maintenant que vous êtes à la maison. J'étais plutôt inquiet, si vous voulez savoir. Inquiet? Pourquoi inquiet? Vous avez mangé quelque chose? Ah, je peux plus faire face, désolée. J'ai passé la journée à manger à droite à gauche, je suis rassasiée. Ah. On m'a offert le restaurant et après le goûter en famille. Bon, on va boire un coup alors. Ma quella ragazza era bellissima, capisci? Porco Dio, ma non perché ride adesso? Aveva una figona, porco Dio. Chi è quest'uomo dont vous avez fait la connaissance? Ma lei è sempre una tempo. Qu'est-ce que vous lui voulez? Dites-moi seulement son nom. Bruno. Bruno. Hauser. Bruno Hauser. Comment l'avez-vous rencontré? C'était dans une fête près d'une baraque à saucisses. Il est venu se mettre à côté de moi. J'étais en train de manger une saucisse, je l'ai pris pour un cinglé. Alors il a demandé où permettez. Je lui ai dit, allez-y, installez-vous. Et puis après, il a été très gentil. Vous ne savez pas ce qu'il fait ou juste, enfin je veux dire, comme travail? Non, il m'en a pas parlé, mais je suppose qu'il bosse avec son père dans l'entreprise. Ils ont beaucoup d'argent, j'ai vu leur baraque. Alors il vous a conduite chez lui, chez ses parents? Ouais, il m'a emmenée dans sa chambre. Seulement son père est arrivé, alors on a fait les présentations. Et comment vous a-t-il présenté? J'étais l'ami. Mais il ne vous connaît que depuis 2 jours et il vous présente déjà comme son ami? Il faut patienter combien de temps? Nous avons passé un moment formidable. Il m'a emmené sur le lac de Starnberg. Oh, c'est un gars fantastique. Il m'a présenté à ses parents. Il n'y a pas de mal à ça? Non. Ce moment avec lui m'a fait du bien. Il y a des années que je n'avais pas éprouvé à ce genre de sentiments. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut lui en parler? Lui exposer franchement notre position? Ou alors vaut-il mieux continuer comme ça? Il n'y a pas de danger réel jusqu'à maintenant. Tu plaisantes! Elle nous a dit que la police avait fait un portrait robot. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne l'ait pas encore publié. Nous allons le découvrir demain dans les journaux. Et alors là, qu'arrivera-t-il? Quelqu'un va se présenter et dire, je le connais. C'est lui qui est le... Et la police va demander à ce monsieur de prendre place et de regarder attentivement. 10 gars les uns à côté des autres, Rolf au milieu. Et le type dira, c'est lui, 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 lui. Non. Non, non. Mais pourquoi tu dis non? Cela ne doit pas se passer. C'est pourtant ce qui va se passer. Il faut lui faire une offre importante et tout lui raconter de bout en bout. Est-elle prête? C'est là la question. Est-ce qu'on peut compter sur elle? Qu'est-ce que tu en dis? À présent, tout dépend de toi. Tu penses qu'il est temps de lui faire une offre? Qu'est-ce que vous dites? La police criminelle? Oui. Bonjour, je m'appelle Derrick. Je désire vous parler un moment. Je vous en prie, entrez, monsieur. Merci. Je ne suis là pour personne. Prenez un siège. Ah, non, 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 soyez tranquille. Je n'en ai pas pour bien longtemps. Je voulais vous entretenir de votre fils Bruno. Il y a quelques jours, il a fait la connaissance d'une jeune fille, mademoiselle Killer. Oui, je sais. Et c'est pour parler de cette jeune fille que vous êtes là? Est-ce qu'elle est mêlée à quelque chose? Je parle de mademoiselle Ursula Killer. Oui, il nous l'a présentée. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle venait de sortir d'une maison de correction? Elle a eu quelques ennuis dans le passé, en fait. Ah, c'est pour cela. Oui, nous savons ce qui est arrivé à cet enfant. Elle a même montré ses papiers à notre fils qui nous a tout raconté. Moi, je n'ai pas beaucoup de préjugés. Et d'autre part, vous savez qu'ils se connaissent depuis moins de 3 jours. Vous ne croyez pas qu'il s'agit d'une relation éphémère? Nous avons affaire à des enfants, c'est pourquoi je n'ai pas d'inquiétude. Ils s'amusent tous les deux. Je dois dire aussi que je n'ai pas une mauvaise opinion de cette jeune fille. Certaines personnes sont oubliées par l'existence et le destin. Je refuse de les traiter en exclus. Cette fille a un bon fond, je crois. Mon éducation est axée sur la tolérance. Il faut essayer le plus possible de secourir les autres en leur faisant confiance. Félicitations. Là, il n'y a rien à ajouter.
Puis-je parler à votre fils? Maintenant? Oui, il travaille, je crois, dans votre affaire. Pourquoi voulez-vous lui parler? Écoutez, j'ignore ce qu'il sait exactement. Il lui en a peut-être parlé. Et votre fils, à son tour, vous a peut-être tout dit. Ursula Killer est l'unique témoin d'une affaire sur laquelle j'enquête. C'est une affaire de meurtre. Quoi? Un meurtre? Ursula était témoin d'un meurtre? Oui, il n'y a pas bien longtemps. Elle a assisté à cela malgré elle. Elle nous a décrit toute la scène et elle a très bien vu l'assassin. Actuellement, il est en fuite. Elle seule saura l'identifier. Ce qui est inquiétant, c'est que ce meurtre est mêlé à un trafic de drogue. Et c'est pas un milieu tendre. Peut-être qu'Ursula Killer court un grand danger actuellement à cause de ça. C'est une affaire terrible. En tout cas, j'ignore si mon fils savait tout ça. Une grande entreprise avec beaucoup d'employés. Hauser, lui, est un homme assez froid, je dois dire. Il a l'air même renfermé. Peu loquace. Nous avons parlé d'Ursula et de son passé peu reluisant. Il a tout juste sourcillé et il a défendu les gens abandonnés. C'est ça qui est curieux, c'est là que ça cloche. Il m'a parlé quasiment comme un prêtre. À l'entendre, il s'apitoie sur elle. Ça me paraît bizarre. Ce gars-là est un dur. À mon goût, il en fait trop. Donc, je dois tout savoir sur la boîte du père, ainsi que sur sa petite famille. J'y comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça sert à rien que je te le dise. J'ai envie de savoir. Je crois pas que tu pourras m'aider. J'ai une drôle de sensation. Je comprends pas pourquoi subitement le bonheur me tombe dessus. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, j'ai raison. Tu peux pas m'aider. Certaines personnes ont beaucoup de chance, mais on sait pas la raison. D'autres ont toujours la poisse après elles, elles traînent ça comme un boulet. Et on sait pas pourquoi non plus. J'ai jamais eu de chance jusqu'à maintenant. Les problèmes s'acharnent sur moi, je passe mon temps à retomber. À retomber? Je suis à peine relevée que les problèmes m'attendent. Il y a quelques jours que je suis libre et ça recommence déjà. Je peux pas en sortir. Voilà, je t'ai fait le rapport que tu m'as demandé. C'est une bonne famille, sans histoire aucune. Seulement, cette fille devrait le faire bondir. Elle n'a rien à faire avec eux. Un deuxième garçon? Et maintenant? Nous sommes à Stackhouse. Je viens de lui payer le ciné. Est-ce que je peux la ramener chez nous à présent? Où en es-tu au juste? Ça roule. Elle est prête, on peut lui dire. D'accord, mais fais attention. Soyons très prudents. Tu peux l'amener chez nous. Oui, très bien. Nous allons leur rendre une petite visite. Nous verrons bien ce que ça donne. Mes cigarettes. Toi et ton tabac. Voulez-vous une tasse de café? Non, c'est gentil. Je peux pas boire de café le soir parce que mon cœur se met à battre et... comme ça. Oh, nous ne le souhaitons pas. Veuillez prendre place. Ah, ce repas, c'était la super classe. As-tu entendu, Ilse? C'était la super classe. Oui, j'ai bien entendu. Tous les trois, nous avons parlé de vous. Bruno m'a expliqué comment vous... Enfin, de quelle manière on vous logeait. Mais ce n'était que provisoire, paraît-il. Oui, elle va changer. Et prendre un appart. Je ne peux plus rester chez l'assistante. Et si vous veniez vivre ici, nous ne manquons pas d'aise, je crois. Très bonne idée. J'ai appris aussi que vous n'aviez pas de travail. Pour l'instant, du moins. Vous avez été étudiante? Étudiante? Ah non, je dois être honnête. J'ai rien fait, non, j'ai pas de formation. J'ai quitté l'école très tôt. Je suis toute seule, moi, dans la vie. On va vous trouver une place dans notre entreprise. N'est-ce pas? Une bonne place. On va vous prendre sous notre toit au début.
Vous serez nourri, rémunéré, logé. Je ne plaisante pas. Dès demain, nous allons établir toutes les modalités du contrat. C'est trop, je... Tu viens avec moi? Ces gens sont de la police criminelle de Munich. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Je vous prie de nous excuser, notre visite inopinée sera courte. Où est votre fils, Bruno? Ah, comment allez-vous? Très bien. Que nous veut la police? Ursula Killer a été témoin d'une triste affaire, une affaire de meurtre. Oui, nous avons parlé de ça tous les deux. Il ne savait rien. D'accord. Je dois dire que votre fils s'est très bien occupé de cette jeune fille. Il n'a pas voulu tenir compte de son passé. C'est ainsi chez nous. Oui, vous faites confiance aux gens, je sais. Vous ne voulez pas faire de malchanceux, de parias. C'est un principe chez vous. Où est votre deuxième fils? Il n'est pas là aujourd'hui. Il est parti. Il a pris des vacances. Ah oui. Et il vient de partir en vacances. Oui, il est... Où est-il parti, Ilse? En Autriche. Mais pourquoi cette question? Il est parti cet après-midi? Non. Quand est-il parti? Il y a tout juste une semaine. Oui. Il travaille, lui aussi, dans votre entreprise? Non, il est étudiant. Ah oui. Il étudie quoi? Il étudie la sociologie. D'accord. Est-ce que je peux voir sa chambre? Sa chambre? Vous pensez y trouver quoi? Il n'est plus chez nous, il a un studio. J'ai une grave question à poser sur votre garçon. Est-ce que votre fils... Non, c'est idiot, pas lui. Je parle de votre deuxième fils. Est-ce que c'est un toxicomane, selon vous? Vous délirez. Quoi, un toxicomane, mon enfant? Tu entends ça, Ilse? Non. Peut-être qu'il a déjà essayé, je ne pourrais pas vous le dire. Et maintenant, tous les jeunes essaient. Seulement... Avez-vous une photo de lui? Pourquoi faire une photo? Je désire la montrer à quelqu'un. Je veux m'assurer que ce garçon qui nous est inconnu et qui est votre fils n'est pas un assassin. Je veux la montrer à Ursula Killer, monsieur. Que dites-vous? Mon garçon serait un meurtrier? Vous voulez montrer sa photo à Ursula Killer? Je suis d'accord. Ursula est ici. Bruno, dis-lui de descendre. Explique-lui de quoi il s'agit. Elle est partie. Qu'est-ce que tu dis? Et où a-t-elle bien pu aller?
killer! Ursula! On va revenir demain. Je compte sur vous pour faire revenir votre fils. Je dois l'interroger. Bonjour, monsieur Eric. Je connais cette fille. Elle est venue chez nous il y a 2 jours pour louer une barque. Un jeune homme charmant était avec elle. La nuit dernière, j'ai revu la demoiselle. Elle est facile à reconnaître à cause de son chapeau. Et tenez, un chapeau curieux, non? Et ce matin, il y a environ 1 heure, nous avons retrouvé son corps au bord du lac. Je t'ai dit de fiche le camp. Tire-toi. Je ne sais pas comment je dois agir à présent. Tu ne lui dis rien pour l'instant. Tu entends? Il est trop tôt. Il faut faire attention. Essaie d'abord de nouer des relations, disons privées, pour te faire une idée. Il faut la mettre en confiance. Un petit moment. J'ai peut-être une idée. Si tu essayais de la faire venir à la maison. Oui, d'accord. Je dois aussi la connaître. C'est ma piole. Ta piole, tu dis? Ah, tu as de la visite? Oui, c'est une amie à moi. Ursula Killer. Enchantée. Bonjour. C'est mon père. Je voulais te demander si tu voulais prendre un café au salon. Mais je serais heureux que ton ami se joigne à nous. Désirez-vous un peu de lait dans votre café, Ursula? Oui. Je dois dire que j'accepte toujours tout. Tout ce qu'on me donne. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je suis bien ici. Je suis impressionnée. Seulement, je profite un peu de la situation. Je ne reverrai plus jamais un tel luxe, si ça se trouve. Vous avez raison d'en profiter. Je considère que c'est normal. De notre côté, nous adorons partager. 13, 14, 15. 3 plus 5, 8. Tu recommences à traîner n'importe où. Est-ce que tu sais que la police te cherche? Il me cherche? Oui, et je me sens beaucoup mieux maintenant que vous êtes à la maison. J'étais plutôt inquiet, si vous voulez savoir.
Inquiet? Pourquoi inquiet? Vous avez mangé quelque chose? Ah, je peux plus faire face, désolée. J'ai passé la journée à manger à droite à gauche, je suis rassasiée. Ah. On m'a offert le restaurant et après le goûter en famille. Bon, on va boire un coup alors. Ma quella ragazza era bellissima, capisci? Porco di... Ma non perché ride adesso? Aveva una figona, porco di... Chi è quest'uomo dont vous avez fait la connaissance? Ma lei sempre un tempo... Pourquoi? Qu'est-ce que vous lui voulez? Dites-moi seulement son nom. Bruno. Bruno? Hauser. Bruno Hauser. Comment l'avez-vous rencontré? C'était dans une fête près d'une baraque à saucisses. Il est venu se mettre à côté de moi. J'étais en train de manger une saucisse, je l'ai pris pour un cinglé. Alors il a demandé où permettez. Je lui ai dit, allez-y, installez-vous. Non, laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seule. Excuse-moi, hein, la attends. Ferme, laisse-moi vais... tout le temps. Laisse-moi. Mais attends. Ursula. Laisse-moi tranquille. Arrête! Veuillez nous excuser, nous venons vous voir un peu tard. Ilse, ces gens sont de la police criminelle de Munich. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Je vous prie de nous excuser, notre visite inopinée sera courte. Où est votre fils, Bruno? Ah, comment allez-vous? Très bien. Que nous veut la police? Ursula Killer a été témoin d'une triste affaire, une affaire de meurtre. Oui, nous avons parlé de ça tous les deux. Il ne savait rien. D'accord. Je dois dire que votre fils s'est très bien occupé de cette jeune fille. Il n'a pas voulu tenir compte de son passé. C'est ainsi chez nous. Oui, vous faites confiance aux gens, je sais. Vous ne voulez pas faire de malchanceux, de parias. C'est un principe chez vous. Où est votre deuxième fils? Il n'est pas là aujourd'hui. Il est parti. Il a pris des vacances. Ah oui. Et il vient de partir en vacances. Oui, il est... Où est-il parti, Ilse? En Autriche. Mais pourquoi cette question? Il est parti cet après-midi? Non. Quand est-il parti? Il y a tout juste une semaine. Oui. Il travaille, lui aussi, dans votre entreprise? Non, il est étudiant. Ah oui. Il étudie quoi? Il étudie la sociologie. D'accord. Est-ce que je peux voir sa chambre? Sa chambre? Vous pensez y trouver quoi? Il n'est plus chez nous, il a un studio. J'ai une grave question à poser sur votre garçon. Est-ce que votre fils... Non, c'est idiot, pas lui. Je parle de votre deuxième fils. Est-ce que c'est un... Enfin, de quelle manière on vous logez, mais ce n'était que provisoire, paraît-il. Oui, elle va changer. Et prendre un appart. Je peux plus rester chez l'assistante. Et si vous veniez vivre ici, nous ne manquons pas d'aide, je crois. Très bonne idée. J'ai appris aussi que vous n'aviez pas de travail. Pour l'instant, du moins. Vous avez été étudiante? Étudiante? Ah non, je dois être honnête. J'ai rien fait, non, j'ai pas de formation. J'ai quitté l'école très tôt. Je suis toute seule, moi, dans la vie. On va vous trouver une place dans notre entreprise. N'est-ce pas? Une bonne place. On va vous prendre sous notre toit au début. Vous serez nourri, rémunéré, logé. Je ne plaisante pas. Dès demain, nous allons établir toutes les modalités du contrat. C'est trop... Tu viens avec moi? Thank you.
mon frère. Ça recommence. Non, laisse-moi tranquille. J'ai besoin d'être seule. Excuse-moi. Laisse-moi. Ursula. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, arrête. Veuillez nous excuser, nous venons vous voir un peu tard. Ilse, ces gens sont de la police criminelle de Munich. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Je vous prie de nous excuser, notre visite inopinée sera courte. Où est votre fils, Bruno? Ah, comment allez-vous? Très bien. Que nous veut la police? Ursula Killer a été témoin d'une très première fois. Pourquoi ça? Eh bien, moi, je vais te le dire. C'est en rapport avec ton caractère, tout simplement. Avec ton manque de caractère, plutôt. Eh bon, il faut que tu connaisses la maison. Ça, c'est la cuisine. La salle de bain. Et voilà ta chambre. Je peux vous parler aussi. N'allez pas imaginer que je sois là par plaisir. Si je vous dérange, surtout n'hésitez pas à me jeter dehors. En attendant, j'aimerais bien dormir. Tu as une valise là-bas? Où se trouve cet appartement? Il a juste une chambre. Je connais l'adresse. Il ne faut plus qu'il y mette les pieds. Nous allons récupérer ses affaires. Il doit oublier cet endroit définitivement. C'est bien ce que je lui ai dit. Je me charge de ses affaires. Tu vas aller cette nuit dans notre maison de campagne. Comment te sens-tu? Je pense être capable de conduire. Et toi, tu vas t'occuper de la fille? Je vais la retrouver. Oui, mais comment? Il faut patienter. Et pour savoir si le rapport de police parle d'elle. J'ai pas mal d'amis dans la presse. Je pense qu'ils pourront m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Rolf! Tiens, ça te calera. Merci, Bruno. Et... je suis désolé. Allez, arrête. Fais gaffe sur la route. Il faut que tu tiennes le coup. Je suis à tes côtés. Est-ce que c'est cet homme-là? Est-ce que c'est... ressemblant? C'est ressemblant, si on veut. Un tas de gens ressemblent à ce dessin. Je vous rappelle qu'il a été réalisé à partir de vos indications. Je vous ai dit ce que j'ai vu, un point, c'est tout. C'est lui, oui ou non? Il y a quelque chose, mais c'est vague, navré. Vous allez faire quoi? Nous avons encore besoin de vous. C'est ça qui est curieux, c'est là que ça cloche. Il m'a parlé quasiment comme un prêtre. À l'entendre, il s'apitoie sur elle. Ça me paraît bizarre. Ce gars-là est un dur. À mon goût, il en fait trop. Donc, je dois tout savoir sur la boîte du père, ainsi que sur sa petite famille. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça sert à rien que je te le dise. J'ai envie de savoir. Je crois pas que tu pourras m'aider.
J'ai une drôle de sensation. Je comprends pas pourquoi subitement le bonheur me tombe dessus. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, j'ai raison. Tu peux pas m'aider. Certaines personnes ont beaucoup de chance, mais on sait pas la raison. D'autres ont toujours la poisse après elles, elles traînent ça comme un boulet. Et on sait pas pourquoi non plus. J'ai jamais eu de chance jusqu'à maintenant. Les problèmes s'acharnent sur moi, je passe mon temps à retomber. À retomber? Je suis à peine relevée que les problèmes m'attendent. Il y a quelques jours que je suis libre et ça recommence déjà. Je peux pas en sortir. Voilà, je t'ai fait le rapport que tu m'as demandé. C'est une bonne famille, sans histoire aucune. Seulement cette fille devrait le faire bondir. Elle n'a rien à faire avec eux. Un deuxième garçon? Et maintenant? Nous sommes à Stockhouse. Je viens de lui payer le ciné. Est-ce que je peux la ramener chez nous à présent? Où en es-tu au juste? Ça roule. Elle est prête, on peut lui dire. D'accord, mais fais attention. Soyons très prudents. Tu peux l'amener chez nous. Oui, très bien. Nous allons leur rendre une petite visite. Nous verrons bien ce que ça donne. Mes cigarettes. Toi et ton tabac. Voulez-vous une tasse de café? Non, c'est gentil. Je peux pas boire de café le soir parce que mon cœur se met à battre et... comme ça. Oh, nous ne le souhaitons pas. Veuillez prendre place. Ah, ce repas, c'était la super classe. As-tu entendu, Ilse? C'était la super classe. Oui, j'ai bien entendu. J'ai uniquement besoin d'un témoin. Ensuite, j'ai vu les deux types qui l'ont blessé. Un des deux lui a tiré une balle dans le ventre. Écoutez, nous allons reprendre tout ça tranquillement en nous arrêtant sur chaque détail. Je crois que vous dites la vérité. La malchance, le hasard vous ont jeté dans cette affaire curieuse. Seulement, maintenant, il nous faut des indications exactes. C'est à vous de jouer. Lors de l'échange et de l'assassinat, vous étiez là. Il faut nous aider. Je sais pas d'où elle venait, cette fille. Seulement, je peux te dire qu'elle était là. Elle m'a vu abattre le gars. Elle a vu toute la scène. Moi, j'ai tiré parce que... parce qu'il me l'a demandé. Parce qu'il n'arrêtait pas de crier, tire, tire. Il faut me croire, Bruno. C'est parce qu'il criait, je voulais pas faire ça. Je sais pas pourquoi je lui ai tiré dessus. J'ai eu la trouille. J'ai abattu ce gars sans le vouloir. Crois-moi, Bruno. Tout ça à cause de ta saloperie de cam. Je t'ai toujours dit que la drogue allait te tuer. En fait, c'est toi qui tues à cause d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Rolf, tu ne trouvais plus la maison ces derniers temps? Que se passe-t-il? Il a tué un homme et il y avait un témoin. Il faut absolument retrouver la personne qui t'a vu et qui pourrait te reconnaître. Il n'y a pas d'autre solution. Rolf! Nous t'éviterons la prison. Tu resteras libre et tu pourras continuer ta vie avec nous. Même si tu es déjà prisonnier de la drogue. Et maintenant, que va-t-on faire de vous? Ouais, qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Vous n'avez pas de domicile fixe, vous allez coucher dans la rue, à la Belle Étoile. On m'a filé le numéro d'une nana. Il paraît que c'est une assistante sociale. Vous voulez lui téléphoner? Oui. Maintenant? Elle va tourner de l'œil quand vous allez lui expliquer ce qui se passe. Non, il n'y a pas de raison. Une assistante sociale connaît la musique. Je vous signale qu'il est 2 heures du matin. J'ai attendu toute la journée qu'elle me contacte. Et c'est la police qui me l'amène. Pourquoi la police? Soyez tranquille, elle n'a rien fait. Elle a seulement été témoin d'un meurtre.
Quoi? Elle a été témoin d'un meurtre? Mais je croyais que... Elle a été libérée ce matin. Oui. Mais comment peut-elle être déjà le témoin d'un meurtre? Je vous jure que Mademoiselle Killer n'a rien à voir dans cette histoire. Eh bien, moi, je vais te le dire. C'est en rapport avec ton caractère, tout simplement. Avec ton manque de caractère, plutôt. Eh bon, il faut que tu connaisses la maison. Ça, c'est la cuisine. La salle de bain. Et voilà ta chambre. Je peux vous parler aussi. N'allez pas imaginer que je sois là par plaisir. Si je vous dérange, surtout n'hésitez pas à me jeter dehors. En attendant, j'aimerais bien dormir. Tu as une valise là-bas? Où se trouve cet appartement? Il a juste une chambre. Je connais l'adresse. Il ne faut plus qu'il y mette les pieds. Nous allons récupérer ses affaires. Il doit oublier cet endroit définitivement. C'est bien ce que je lui ai dit. Je me charge de ses affaires. Tu vas aller cette nuit dans notre maison de campagne. Comment te sens-tu? Tu penses être capable de conduire? Toi, tu vas t'occuper de la fille. Je vais la retrouver. Oui, mais comment? Il faut patienter. Il faut savoir si le rapport de police parle d'elle. J'ai pas mal d'amis dans la presse. Je pense qu'ils pourront m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Rolf! Ça te calera. Merci, Bruno. Et... Je suis désolé. Allez, arrête. Fais gaffe sur la route. Il faut que tu tiennes le coup. Je suis à tes côtés. Est-ce que c'est cet homme-là? Est-ce que c'est ressemblant? C'est ressemblant, si on veut. Un tas de gens ressemblent à ce dessin. Je vous rappelle qu'il a été réalisé à partir de vos indications. Je vous ai dit ce que j'ai vu, un point, c'est tout. C'est lui, oui ou non? Il y a quelque chose, mais c'est vague, navré. Vous allez faire quoi? Nous avons encore besoin de vous. Et si je te racontais ça tout de suite? Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas pour l'instant. Elle est toujours dehors. D'autre part, l'assistante sociale ne sait rien. Bien. Je suis peut-être en train de divaguer, seulement... Pour le meurtrier, cette jeune fille est un vrai danger. Alors, qui peut être cet homme qu'elle a rencontré dans la rue? Si je prenais ta place. Fais gaffe, on va tomber dans la flotte. Oh, c'est formidable, la barque. C'est vraiment romantique. Le soleil, l'eau, le ciel, les nuages. Excusez-moi. Je peux donner un coup de fil? Oui. Attendez. Par ici. Stamberg ou plus loin? À l'extérieur. Allez-y, c'est à vous. Albert, tu viens? Bruno au téléphone. Oui, Bruno? Allô? Oui, je lui ai offert le restaurant et nous sommes à présent près de Stamberg, au lac. Et tout se passe comme prévu, seulement... Je sais pas comment je dois agir à présent. Tu
Et ne lui dis rien pour l'instant. Tu entends? Il est trop tôt. Il faut faire attention. Essaie d'abord de nouer des relations, disons privées, pour te faire une idée. Il faut la mettre en confiance. Un petit moment. J'ai peut-être une idée. Si tu essayais de la faire venir à la maison. Oui, d'accord. Je dois aussi la connaître. C'est ma pioule. Ta pioule, tu dis? Ah, tu as de la visite. Oui, c'est une amie à moi. Ursula Killer. Enchantée. Bonjour. C'est mon père. Je voulais te demander si tu voulais prendre un café au salon. Mais je serais heureux que ton ami se joigne à nous. Désirez-vous un peu de lait dans votre café, Ursula? Oui. Je dois dire que j'accepte toujours tout. Tout ce qu'on me donne. Je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas beaucoup de préjugés. Et d'autre part, vous savez qu'ils se connaissent depuis moins de 3 jours. Vous ne croyez pas qu'il s'agit d'une relation éphémère? Nous avons affaire à des enfants, c'est pourquoi je n'ai pas d'inquiétude. Ils s'amusent tous les deux. Je dois dire aussi que je n'ai pas une mauvaise opinion de cette jeune fille. Certaines personnes sont oubliées par l'existence et le destin. Je refuse de les traiter en exclus. Cette fille a un bon fond, je crois. Mon éducation est axée sur la tolérance. Il faut essayer le plus possible de secourir les autres en leur faisant confiance. Félicitations. Là, il n'y a rien à ajouter. Puis-je parler à votre fils? Maintenant? Oui, il travaille, je crois, dans votre affaire. Pourquoi voulez-vous lui parler? Écoutez, j'ignore ce qu'il sait exactement. Il lui en a peut-être parlé. Et votre fils, à son tour, vous a peut-être tout dit. Ursula Killer est l'unique témoin d'une affaire sur laquelle j'enquête. C'est une affaire de meurtre. Quoi? Un meurtre? Ursula était témoin d'un meurtre? Oui, il n'y a pas bien longtemps. Elle a assisté à cela malgré elle. Elle nous a décrit toute la scène et elle a très bien vu l'assassin. Actuellement, il est en fuite. Elle seule saura l'identifier. Ce qui est inquiétant, c'est que ce meurtre est mêlé à un trafic de drogue. Et c'est pas un milieu tendre. Peut-être qu'Ursula Killer court un grand danger actuellement à cause de ça. C'est une affaire terrible. En tout cas, j'ignore si mon fils savait tout ça. Une grande entreprise avec beaucoup d'employés. Hauser, lui, est un homme assez froid, je dois dire. Il a l'air même renfermé. Peu loquace. Nous avons parlé d'Ursula et de son passé peu reluisant. Il a tout juste sourcillé et il a défendu les gens abandonnés. C'est ça qui est curieux, c'est là que ça cloche. Il m'a parlé quasiment comme un prêtre. À l'entendre, il s'apitoie sur elle. Ça me paraît bizarre. Ce gars-là est un dur, à mon goût, il en fait trop. Donc, je dois tout savoir sur la boîte du père, ainsi que sur sa petite famille. J'y comprends rien. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ça sert à rien que je te le dise. J'ai envie de savoir. Je crois pas que tu pourras m'aider. J'ai une drôle de sensation. Je comprends pas pourquoi subitement le bonheur me tombe dessus. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, j'ai raison. Tu peux pas m'aider. Certaines personnes ont beaucoup de chance, mais on sait pas la raison. D'autres ont toujours la poisse après elles, elles traînent ça comme un boulet. Et on sait pas pourquoi non plus. J'ai jamais... Il faut lui faire une offre importante et tout lui raconter de bout en bout. Est-elle prête? C'est là la question. Est-ce qu'on peut compter sur elle? Qu'est-ce que tu en dis? À présent, tout dépend de toi. Tu penses qu'il est temps de lui faire une offre? Ha ha ha!
ce que vous dites? La police criminelle? Oui. Bonjour, je m'appelle Derrick, je désire vous parler un moment. Je vous en prie, entrez, monsieur. Merci. Je ne suis là pour personne. Prenez un siège. Ah, non, soyez tranquille, je n'en ai pas pour bien longtemps. Je voulais vous entretenir de votre fils Bruno. Il y a quelques jours, il a fait la connaissance d'une jeune fille, mademoiselle Killer. Oui, je sais. Et c'est pour parler de cette jeune fille que vous êtes là? Est-ce qu'elle est mêlée à quelque chose? Je parle de mademoiselle Ursula Killer. Oui, il nous l'a présentée. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle venait de sortir d'une maison de correction? Elle a eu quelques ennuis dans le passé, en fait. Ah, c'est pour cela. Oui, nous savons ce qui est arrivé à cet enfant. Elle a même montré ses papiers à notre fils qui nous a tout raconté. Moi, je n'ai pas beaucoup de préjugés. Et d'autre part, vous savez qu'ils se connaissent depuis moins de 3 jours. Vous ne croyez pas qu'il s'agit d'une relation éphémère? Nous avons affaire à des enfants, c'est pourquoi je n'ai pas d'inquiétude. Ils s'amusent tous les deux. Je dois dire aussi que je n'ai pas une mauvaise opinion de cette jeune fille. Certaines personnes sont oubliées par l'existence et le destin. Je refuse de les traiter en exclus. Cette fille a un bon fond, je crois. Mon éducation est axée sur la tolérance. Il faut essayer le plus possible de secourir les autres en leur faisant confiance. Félicitations. Là, il n'y a rien à ajouter. Puis-je parler à votre fils? Maintenant? Oui, il travaille, je crois, dans votre affaire. Pourquoi voulez-vous lui parler? Écoutez, j'ignore ce qu'il sait exactement. Elle lui en a peut-être parlé. Et votre fils, à son tour, vous a peut-être tout dit. Ursula Killer est l'unique témoin d'une affaire sur laquelle j'enquête. C'est une affaire de meurtre. Quoi? Un meurtre? Ursula était témoin d'un meurtre? Oui, il n'y a pas bien longtemps. Elle a assisté à cela malgré elle. Elle nous a décrit toute la scène et elle a très bien vu l'assassin. Actuellement, il est en fuite. Elle seule saura l'identifier. Ce qui est